La technique de compactage vertical à chaud, ou technique de Schilder, est la technique de choix pour obturer l'ensemble du système canalaire. Le plateau technique comprend un plateau d'examen, une réglette de calibration endodontique, une paire de presselles Perry, une cassette endodontique stérile, des solutions d'irrigation comprenant de l'hypochlorite à 2,5% et de l'EDTA à 17%, des seringues d'irrigation, des pointes de papier stérile, un manche de bistouri et une lame numéro 11. La cassette endodontique comprend des fouloirs endodontiques manuels plats ou pluggers, lesquels serviront à compacter la guttapercha ramollie. 3 à 4 pluggers de diamètre décroissant seront utilisés. De l'hypochlorite de sodium à 2,5% permet d'irriguer le système canalaire. On peut alors procéder à l'ajustage du mètre cône. Un cône de gutta non calibré de conicité proche du dernier instrument de mise en forme est choisi. Ce cône est calibré au diamètre de la constriction apicale à l'aide de la réglette endodontique et à la longueur de travail moins 0,5 mm. Le cône est positionné dans le canal rempli d'hypochlorite. Un contrôle tactile, la résistance au retrait, ou tuck-back, sur les derniers millimètres est vérifié, en retirant doucement le cône du canal à l'aide de presselles. Cette résistance ne doit pas s'effectuer coronairement. Une radiographie de contrôle permet de confirmer l'ajustement adéquat du mètre cône. Ce dernier est placé dans de l'hypochlorite de sodium pour assurer sa désinfection. Dans ce cas précis, un cône accessoire est nécessaire pour assurer une quantité suffisante de gutta à l'obturation. Il est également conservé dans l'hypochlorite. Une lime de perméabilité préalablement précourbée à l'aide des presselles Perry est utilisée pour vérifier une dernière fois la perméabilité apicale. Une irrigation du système canalaire est effectuée à l'hypochlorite de sodium. Le plateau technique est complété par l'apport du touch and hit, des heat carriers et d'un système de pistolet à gutta. Trois pluggers de diamètre décroissant sont sélectionnés de façon à permettre une descente progressive lors de la phase descendante. Le premier est utilisé dans le tiers coronaire. Il correspond au plugger numéro 3, de couleur bleue. Il est introduit dans le canal jusqu'au contact des parois. Chaque fouloir est introduit dans le canal jusqu'au blocage, puis retiré d'un millimètre afin d'éviter un effet de coin lors de la compaction. Un stop en silicone est alors positionné sur chacun des fouloirs afin d'enregistrer la longueur maximale de pénétration. Le deuxième plugger est utilisé dans le tiers moyen. Il correspond au plugger numéro 2, de couleur rouge. Il répond aux mêmes impératifs qu'au premier. Le troisième plugger permet la condensation dans le tiers apical. Il est introduit à 4-5 mm de la longueur de travail. La longueur sera marquée comme pour les deux autres. De façon à éliminer la boue dentinaire, un flush flow de DTA à 17% est réalisé. Un rinçage final à l'hypochlorite de sodium permet de neutraliser l'action de l'EDTA. La cavité d'accès est séchée. Une partie de l'irrigant peut être aspirée à l'aide d'une seringue d'irrigation. Le canal est ensuite séché à l'aide de pointes de papier stériles correspondant au dernier instrument de mise en forme utilisé.
Cette étape est terminée lorsque la dernière pointe de papier ressort sèche. Le ciment de scellement cannelaire est préparé. Ce dernier doit présenter une consistance crémeuse. Une petite quantité de ciment est déposée dans le canal avec une lime. Une pointe de papier stérile peut également être utilisée. Toutes les parois canalaires sont enduites de ciment. Les cônes de gutta conservés dans l'hypochlorite sont séchés à l'aide d'une compresse stérile. Le maître cône est enduit d'une fine couche de ciment. Il est introduit progressivement dans le canal, animé d'un léger mouvement de rotation, jusqu'à sa position de blocage, à 0,5 mm de la longueur de travail. Dans notre cas, un cône accessoire de gutta enduit de ciment a été utilisé. Au cours de la phase de compaction verticale, chaque extrémité des pluggers sera enduite de poudre de ciment d'obturation canalaire de façon à ne pas coller à la gutta. Le Touchenit et son hit carrière sont préparés et réglés à la puissance maximale. Les cônes sont sectionnés à l'entrée du canal à l'aide du Touchenit. Lorsque le contacteur est activé, l'embout du hit carrière passe au rouge et l'excédent de gutta percha est alors facilement éliminé de la cavité d'accès. Le plugger de plus gros diamètre, numéro 3, est alors enduit de poudre de ciment d'obturation canalaire afin que la gutta ne colle pas à l'instrument. La gutta est immédiatement condensée afin de créer un bouchon de gutta. Le bouchon ainsi créé doit occuper la totalité de l'espace canalaire. Ce bouchon sera ensuite chauffé, plastifié et condensé en direction apicale. L'embout du réchauffeur est positionné à froid sur la gutta. Lorsque le contacteur est activé, l'embout s'enfonce de 2 à 3 mm. Le hit carrière est retiré du canal à chaud, sans relâcher le contacteur, emportant avec lui une partie de la gutta. Il faut s'assurer que les cônes ne ressortent pas du canal. Si tel est le cas, l'ajustage apical du maître cône est déficient et doit être revu. La gutta percha est immédiatement condensée dans le tiers moyen à l'aide du plugger numéro 2, le rouge. Selon la même procédure, la gutta percha est à nouveau chauffée à l'aide du réchauffeur. La chaleur est alors transmise à la gutta au tiers apical. Elle est immédiatement condensée dans cette zone à l'aide du plugger numéro 3, le jaune, qui doit atteindre la longueur de travail, moins 4 à 5 mm. Une pression à l'aide de ce dernier fouloir est maintenue 10 secondes pour compenser la contraction de la gutta percha lors de son refroidissement. C'est lors de cette vague descendante apicale que l'anatomie souvent complexe du tiers apical sera scellée. Une radiographie permet de vérifier l'obturation du tiers apical. Cette première phase a permis l'obturation des 5 derniers millimètres apicaux. Par la suite, l'obturation de la partie coronaire du canal constitue la phase de remontée. Cette phase de remontée peut être effectuée avec une technique d'injection de gutta percha chaude à 200 degrés. Un pistolet à gutta est utilisé. L'aiguille du pistolet est introduite et positionnée au contact de la gutta condensée au tiers apical. L'injection s'effectue de façon lente et progressive jusqu'à l'entrée canalaire.
la guttapercha est condensée jusqu'à refroidissement à l'entrée canalaire. Cette phase de remontée peut également être réalisée par l'apport de petits segments de gutta chauffés et condensés progressivement à l'intérieur du canal. Le traitement endodontique sera considéré comme étant terminé lors de la réalisation d'une obturation coronaire étanche.